Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Il y a pas si longtemps de cela, une personne m'a demandé, je pense que c'est sur YouTube, m'a demandé comment installer le navigateur Brave ou Brave, comme vous voulez. Je me suis dit, tiens, déjà, perso, je ne suis pas un utilisateur de ce navigateur. Là, à l'heure actuelle, et depuis un bon moment maintenant, mon navigateur par défaut, c'est Chromium. Et depuis peu, mon moteur de recherche est Lilo. Mais, je pense sérieusement à redevenir un utilisateur de Mozilla Firefox. J'ai envie de revenir à ce qui me correspond le mieux. Donc, revenons à nos moutons. Cette personne m'a demandé comment installer Brave. Déjà, je me suis dit, tiens, bizarre. Donc, je tiens à préciser que la personne est sur Linux Mint, si mes souvenirs sont bons. Ou sur Ubuntu, je ne sais plus, mais je pense que c'est Mint. Déjà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Brave ne serait pas dans les dépôts. Donc, j'ai fait tout simplement un apt apt search. J'ai fait Brave. Rien. J'ai quand même fait tirer browser, même si Brave ne donnait déjà rien. Rien. Je me rappelle avoir fermé mon instance terminal. J'ai démarré donc la Logitech. Voilà. Bref. Et rien. Bizarre. Donc, je me souviens avoir fait une recherche. Brave browser, site officiel. Je me suis dit, tiens, paquet d'eb. Eh bien non. Donc là, je suis sur le site officiel. Hein. Regardez, voilà. Donc page d'accueil. Si on clique sur télécharger Brave, on obtient donc ceci. Pas de paquet d'eb. Pour procéder à l'installation, je me suis dit, tiens, download. Non, download, en fait, on arrive sur la même page. Donc, voilà par quoi il faut passer. Je me rappelle avoir donné ceci à la personne. La personne m'a dit, ça marche, mais, je pense que ça marche, oui, c'est installé, mais j'ai des erreurs en retour dans le terminal. Et j'ai testé, moi je n'ai aucune erreur. Donc, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même comment installer Brave. Alors, pour ceux qui se demandent, Brave est un navigateur qui tire son code, donc sa base de Chromium. Ok? D'ailleurs, si je fais Brave Browser Wikipédia, Brave est un navigateur web open source qui a pour objectif de protéger la vie privée en bloquant par défaut les pisteurs et en favorisant une navigation via les pages en HTTPS avec l'extension HTTPS Everywhere. Voilà. On peut se rendre quand même sur la page Wikipédia. Je vérifie. Brave.com. Ok, oui, j'étais sur le bon site. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, déjà, je vais démarrer une machine virtuelle, une Linux Mint 20 Cinnamon. Ce n'est même pas une 20.1, mais ce n'est pas grave. Voilà. Linux Mint 20 qui n'est pas du tout à jour. Hein. Qui n'est pas du tout à jour. Je vais quand même vérifier
Information système, voilà, Linux Mint 20. Et si je fais un sudo apt update, mot de passe du seigneur qui va bien, affichage, zoom avant, voilà, vous voyez, je pense à vous. Voilà, 152 paquets peuvent être mis à jour. Donc je pars avec une distribution qui n'est pas du tout à jour. Ce n'est pas grave. Je colle, je valide par Entry Winter. Je confirme, donc je valide par Entry Winter de nouveau. Je vais chercher donc la deuxième ligne. Et vous allez voir que pour moi, tout se passe magnifiquement bien. Regardez dans la description de cette vidéo, toutes les lignes de commande que j'utilise, eh bien, ils seront mentionnés. Voilà, c'est bon. Donc, je rappelle que les lignes de commande que j'utilise sont valables pour Debian 9 et plus, Ubuntu 14.04 et plus, et Mint 17 et plus. Ok ? Je ne sais plus si j'ai copié. Donc je recopie si jamais. Et je colle. Voilà. Sudo apt update. Et alors sudo apt install brave browser. Voilà. On patiente. Terminé, remballé, hop là, menu principal des applications, BRA, voilà directement, Brave Web Browser, et ça se lance comme un charme. Splendide, Brave est le nouvel Internet, allons-y. Importer les favoris et les paramètres, importer de, voilà, ajouter le fichier HTML aux favoris. Suivant. Naviguer en toute sécurité. Suivant. Définir le moteur de recherche par défaut. Est-ce que Lilo fait partie de la liste? Et non. Allez, je sais pas, moi. Je sais pas. Quant. Voilà. Commencer à utiliser les rewards. Obtenir des jetons en voyant les brèves privées. Terminé. Oh, mais que c'est beau. Que c'est beau si j'ouvre un nouvel onglet. Ok. Chaque fois, un wallpaper différent. Ben voilà, Brave est installé. Menu hamburger à propos de Brave, et on peut voir que l'on a affaire à une base Chromium 88.0.4324.182 build officiel architecture 64 bits. Donc je suis dans les paramètres. Hein. Premier pas. Voilà, donc ça ressemble fortement à Chromium. Bah oui, hein. Donc, paramètres supplémentaires. C'est pas mal. Je l'ai jamais utilisé. Je devrais peut-être le tester. Visuellement, il est parlé. Récompense brève. Ok. Historique. Favori. Téléchargement, portefeuille de crypto-monnaie, extension, web store, ok, c'est le store de Google Chrome, voilà, on a fait un peu le tour, ok, nickel, mais comme ça vous savez installer Brave, regardez dans la description, lien Wikipédia, lien vers le site officiel de Brave Browser, et vous aurez également les lignes de code que j'ai utilisées pour procéder à l'installation sur Mint 17 et plus, voilà, bye bye.